Bah tu sais quoi? Je vais refaire un Firefly. Qu'est-ce qu'elle fait là, la puma? Bombardement aérien imminent. Y a beaucoup oh, y'a un tigre dans la base. Ouais, y'a un tigre, j'ai vu. Rose, pour qu'on se coordonne, la prochaine fois que tu peux faire ça, tu me le dis. Et je stoppe tous mes tirs, comme ça j'aurai 4 obusiers pour pouvoir tirer après ton. Merde, ton vol d'observation. Oui, forcément. Bah, mon vol d'observation a été enchaîné par un vol de bombardier. Bah, en fait, moi je peux tirer avec 4 obusiers plus une frappe d'artillerie. Donc. Et toi, tu peux faire ta grosse pute derrière et balancer des parachutistes. Genre, je suis une grosse pute. T'as vraiment une image de moi, franchement, tu me déçois. On l'avait fait au spray une fois. Moi, j'ai envoyé des planeurs. Oh, mon grosse pute, ouais. Oh, salut, Stu42, tu veux un câlin? Tu peux tirer d'observation dans combien de temps, Cruz? Boum! Maintenant. Ok, bah c'est quand tu veux, j'ai 4 obusiers prêts. Tu me dis, bah mets-moi un point et je. Bah, vise la balle, vise la base où tu veux et on verra en fonction. Fais-toi plaisir. Sur le point d'entrée principal, on va dire. On va viser. Un truc en largeur, faut qu'on ait bien tout en fait. Ah bah je prends que ce que j'ai hein, donc Ouais. Comme je rigole ton œil, il va se faire à tuer. Tu fais descendre ou pas là? Ouais. J'ai vu un obus partir et après... Non, j'ai vu la puma tirer et... Ouais moi aussi j'ai vu la puma et un autre après. C'est rigolo, c'est que des fois l'avion il s'écrase sur des gens. Bon, ça m'est déjà arrivé que mon avion s'écrase sur mes hommes et que ça tue la moitié de mon armée. Du coup, j'artille 4 fois ici. Bon, c'est tout. Oh. Oh, y'a un tigre. Je crois qu'il pleut. Ouais, il pleut. Le problème, c'est que je voulais balancer un bombardier, mais mon. Ma reconnaissance n'est pas encore passée donc. Vas-y, vous me faites chier avec vos lance-flammes. Avec vos snipers, je veux dire. Bonjour. J'ai réussi à caler une frappe d'artillerie dans le tas. Attention, bombardement en route. Bonjour. Toc toc toc, qui est là? Le crocodile. Le crocodile. Allez les enfants, en rang 2 par 2. Oh, y'a le tigre. Oh, y'avait le tigre. J'ai vu le triangle rouge sur la carte. Et une demi-seconde plus tard, il est tué. On se demande bien pourquoi. Regarde, mes Firefly ils se mettent en. J'artille au même endroit. Avec 4 objets. Mes chars ils se garent, mec. La 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 la. Section de mitrailleuse calibre 30. Coucou. Rose, tu peux refaire un voile ici, y'a du monde. Vas-y, hein, j'attends que vous me donniez le go et j'avance. Ici, reconnaissance unité ennemie détruite cible. Vas-y, je vais les garer. En route. C'est bon, j'ai réussi à caser la fin. Bougez pas trop les enfants, s'il vous plaît. Restez bien en rang. Ouais, bougez pas les enfants, il y a une photo. Et regarde. La photo, bougez pas. Regarde. Wouhou. Ah, il pleut par chez moi aussi. Osprey, j'ai envie de faire une putain de frappe d'artillerie sur le pont. Cruz. Moi je suis bien là. C'est tentant hein, vous là. Ils sont beaux, ouais. Ouais, ils sont tous alignés là.
Ah, les canons qui bougent tous en même temps, c'est assez beau. Le pire, c'est qu'ils percutent pas de ce qu'on dit. Mais si, j'ai entendu. Bon, j'avance ou pas? Alors, attends, parce que moi j'ai toutes mes unités qui sont derrière. J'ai tout le monde qui est derrière. Moi, je fais plus rien, moi. Oui. Alors, refais un vol d'observation et je caserai une ultime frappe d'artillerie. Comme ça, Osprey pourra avancer. Balance l'observation et je verrai où. Même jar, histoire qu'on ait un maximum de base ennemie quoi, en largeur. Moi j'ai pas compris. T'as entendu le bruit quand il y a un mec qui a avancé? Un truc sur jar stax là. Ah, écoute. Poum poum poum. Coucou. Avion en route. Ok. Là où tu m'as dit. Ouais, bon bah j'artille ici hein, parce qu'il y a pas grand chose hein. Ah merde, j'ai pu bombarder. Ah moi je peux, t'inquiète. Il y a toutes mes tourelles en mode à l'affût mec, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive ça fait but. Tu peux y aller hein, pour moi, Osprey. Ok. J'ai plus rien non plus. Eh, regarde le pont, je pense qu'il y a des chars qui vont décoller quand je vais les repasser en... En avant les paras. Le mieux, c'est qu'il sait, les sacs qui... Mais qu'est-ce qu'ils font? Les sacs qui volent sur les côtés. Le mieux, c'est que ça soit des mines, c'est... Ouh là là. Ils étaient tout en rang correctement, c'est laborieux hein. Non mais il y a du jeu. Tu sais qu'on se plaint du Pathfinder des Margins 4, mais je te garantis que celui de CEH il est pas mal non plus dans le jeu. Salut. J'artille leur QG au spray. Donc il vide trop. Lequel les 4? Celui-là. Ok. Oh, y'a des L4 qui viennent derrière là. Oui. Bah oui, faut bien qu'ils servent. Détruite. Ah, je suis à 122 kills sur mon chat. Et une de plus pour les blindés de cavalerie. Ah oui, je suis en mode de pop. Le QG est détruit. Ouais, y'a une moto. Moto vs char. Moto vs char. Bah écoute, c'est l'espoir. Moto vs mur de char. Eh ben je l'ai tué au lance-flamme. Bon, je commence à avancer à droite. Peut-être... Oh, y'a un tigre. Oh. Oh, salut toi. Oh. Oh. Alors, il leur a tiré une fois. J'ai fait un tireur d'élite, mais je sais pas. Deux fois. Il est... Ah si, il est là. Oh, là, là. Bah, il aura tiré deux fois. Baissez-vous. Je t'artille ce QG là. Ah bah là, c'est sûr, hein. Le conducteur de char qui fait. Ils ont aucune chance. Merci, Captain. Salut. Oh, y'a notre tigre. Bon, là il va faire un carnage par contre. Ils sont tous de dos mes chars. Ah bah non, il tire sur Churchill. Amusant. Attends, est-ce que je les touche le flanc? Ouais, tu le flanques de face hein. Ouais, je le flanquais. Je le flanquais. Ouais, c'est toi qui l'as. Mais le temps que je l'arrive, il a reculé. Vas-y, reste là et surveille s'il y en a un autre qui vient là. Ils sortent de là. Osprey, on lui aura même pas montré la meilleure levier du jeu. Quoi? Les Priest.
Ouais, mais parce que j'ai pas, je l'ai retiré. Les Calliopes, ils sont pas mal dans le jardin. Ouais, aussi. Mais les Calliopes, ils sont plus visuels. Ouais, ça fait mal aussi, hein. Ouais. Le pire, c'est les Nebel Warfare allemands, quand même. Non, les Calliopes sont plus cheatés que les Nebel. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau sonore. Ah. Tu files beaucoup plus en entendant un Nebel qu'un Calliope. Mais ce qu'il y a de nul, c'est que. Y'a pas le bruit avec le. Tu sais, le Stuka. Le. Ouais. Merde. Le putain de Half-Track, lance-roquette, t'as pas le bruit quand il tire. Ça fait juste. Psh, psh, psh. Oui, c'est vrai. Et là, en fait, pour cause, on est en train de parler allemand, en fait. En fait, cause, un Calliope, c'est un Sherman avec une rampe. Un panier de lance-roquette dessus. Voilà. Mais. Ah, excellent. Mais dessus, y'a pas deux roquettes, hein. Y'en a plutôt 50. Et quand ça tire, ça fait. Plus de roquettes pendant 10 secondes. Et ça fait boum de l'autre côté. Est-ce que c'est pas incendiaire, ça, ces roquettes? Si. Ah, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais. T'es nul! Y'a plus de tigre. Fais gaffe, je me fais plaisir sur le dernier que j'ai. Lequel? Je suis en train de viser là. T'as pas, j'approche la porte du char. Attends, je vais arriver trop tard. Oh non, le tigre. Qu'est-ce qui sort maintenant, ce con? On en parle que mon char a produit plus d'un tiers de mes kills. T'as une jolie image de fin, sérieux, avec l'explosion et le passage de mon bombardier sur le dernier QG. Ouf, ce fut laborieux à un moment pour une première, mais. On a connu pire, hein, on se prête. Oui, je me doute. On s'est déjà fait. Tu as vu le passage où on s'est retrouvé assiégé? Ouais. Il y a eu une game où on avait juste un Pershing et un peu d'unité. Pershing, c'est le gros char américain. Et ouais. Si tu veux, on est resté comme ça pendant trois quarts d'heure. Ouais. Et je crois que finalement, on est sorti avec un rush Ranger, il me semble. Non, non, c'est le Pershing qui avançait au fur et à mesure, qui avait, je crois, il a... Ah, c'est une autre partie, alors. Ils avaient... Mon Pershing, il avait fini avec 102 chars détruits, je crois. Ouais, notre game, on était resté bloqué 2-3 heures en haut, quand même. Et à la fin, on avait réussi à sortir à coup de rush de Ranger, en fait.